côté sexy que j'avais pas franchement au début. Donc voilà, ça m'a permis aussi d'assumer le côté sexy, girly, et pas que classique ou pas que drôle. Et le côté sexy girly, il est souvent moqué, dénigré, et justement dans ce cours, on en fait une force et on en joue. Ouais. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant. Il y a plus de mouvements sur un même rythme que dans les autres cours. Les autres cours, on prend plus le temps, c'est plus élégant, on va jusqu'au bout du mouvement, ouais. Vraiment dans l'élégance. Et là, c'est vraiment la rapidité des mouvements qui va faire que ça fait quelque chose d'uniforme et de super joli dans l'ensemble, en fait. Et les déplacements aussi. Tous les déplacements. Et pour la comparaison avec le sport, c'est vraiment des mouvements d'équipe, en fait. Ouais, moi je trouve que c'est un mix entre le dancehall et les Pussycat Dolls. Ouais, les Pussycat Dolls, ouais. Beyoncé. Il y a la Royal Family aussi. La Royal Family, c'est un moment. Oui, parce qu'on est là, les Pussycat Dolls, on pourrait être c'est une merde aussi. Ouais. Les paillettes et les lacets. Attends, c'est bon. Les paillettes.